Voilà, vous êtes sur l'Afro Diaspora Media, messieurs et dames, une fois de plus, bonjour, bonsoir. Ça dépend au moment où vous nous suivez, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Matadi, pourquoi pas dans d'autres continents. Nous vous disons un grand merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Comme vous le savez très bien, messieurs et dames, vous qui nous suivez souvent, cette émission reçoit pas mal d'artistes, comme vous le savez, et aujourd'hui c'est le cas. Alors, pour ceux-là qui nous ont rejoignés pour toute la première fois, et laisse-moi vous dire que vous êtes tellement le bienvenu dans cette émission et commencez déjà par vous abonner à la chaîne, mais aussi activer la cloche de notification et pourquoi pas partager les liens de cette émission avec vos proches et cela nous aidera énormément. Alors, quant à moi, je suis Ismaël Outonadio, votre interlocuteur valable et je tiens à vous remercier sincèrement de faire partie de notre communauté. Alors ça, en tout cas, je vous dis un grand merci du rester et pourquoi pas un grand merci à ceux-là qui nous soutiennent depuis partout. Vous êtes tellement nombreux et je tiens à vous remercier infiniment. Pourquoi pas à ceux-là qui sont fans de cette émission. Nous vous disons un grand merci de continuer toujours à être là. On est là jusqu'à aujourd'hui justement parce que vous êtes là, vous continuez toujours à nous faire confiance. Et bon, c'est la raison pour laquelle nous continuons toujours à être là avec vous. Alors, messieurs et dames, comme je vous ai promis, chose promise, chose faite. Et aujourd'hui, je serai avec pas n'importe qui. C'est un personnage qui impacte sa génération, et pourquoi pas dans le monde humoristique. L'artiste a accepté notre invitation et on est avec lui sur ce plateau, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, messieurs Ismaël. Ah, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, Talio déjà, Babi, waouh, enfin, l'air artiste est là. C'est ça. Alors, puisqu'on est suivi dans les 5 continents, et il y a pas mal de gens là qui peuvent peut-être vous découvrir aujourd'hui, une petite présentation vite fait. Et la grande famille, si c'est Armoral, le mystère, c'est que l'homme qui fait l'amour sans toucher le poil. L'homme qui fait l'amour sans toucher le poil. Eh, pardon. Surtout qu'il est tout décortigué le corona. De quoi arriver, non, Kounadé. Mais ce qu'on peut retenir, tout simplement, c'est que vous êtes artiste humoriste. Ouais. Congolais. C'est un humoriste congolais. Parce que tout le monde a bien soit la façon de faire des choses, en fait. Ok. Oui. Mais je suis congolais 100% et puis Moulouba. Ok. Je pense que maintenant on peut parler parce qu'on est en face d'un Congolais, c'est ça. On confirme, ils sont moi. Pour n'importe au moins trois. Non, ça va. Congolais. Alors, ça fait combien de temps que Ozana Kati a monde humoristique? Ah, de vrai, j'ai commencé ma carrière depuis quand j'étais tout petit, mais d'être connu sur les plateformes et partout sur mes réseaux, c'était en 2020. Très bien. C'était au moment du confinement et voilà jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ouais. C'était par quel canal? Oui, ou tout à qui n'a nous ni pour que ou apparaître directement comme ça et puis au toucher. Un grand nombre de publics congolais aujourd'hui. De vrai, au début, c'était personnel, parce qu'au début, quand tu n'es pas encore connu, très bien, les gens ne doivent pas te donner la force ou la chance. Et directement, j'ai commencé à faire des efforts personnels. Très bien. Et puis, à un moment, je cherchais mon ami, le couplet Dior. Avant, le couplet Dior, c'était d'abord, c'est la magie. Très bien. Ouais, je cherchais, c'est la magie. Il m'a dit, tu vois, dans ces mondes, c'est comme ça, on doit bosser. Je sens que tu as un truc en toi. Voilà, et après, c'est la magie. Et après, couplet Dior. Et voilà, moi-même aujourd'hui, avec des efforts encore personnels. Très bien. Et aujourd'hui, tu es là. Voilà. Quelqu'un d'exceptionnel. En tout cas, ça, je te l'ai dit. Tu fais bien tes humours et je pense que, contredire un gâté déjà. Donc, vraiment. Vous avez pas mal de fans qui vous suivent de partout. Voilà. Et non, ça, c'est bien. Faut pas dire pas mal de fans. Vous avez des fans? Non, ce sont ma famille. Très bien. De Sicroix et de Sicroise. Des si. Sicroix et des Sicroises. Ok. Voilà. Ah, et Bimi na sucre. Ouais, na sucre. Sicroix, Sicroise. Oh là là. Maman, on est vraiment au kindi là. Même c'est étonnant. Alors, lorsque tu t'es décidé d'évoluer personnellement, et du coup, au CPL qui a incarné rôle, il y a sorcier. En quelque sorte, Nganga. Si on peut les dire comme ça. De vrai, ici en Afrique, précisément au Congo. Très bien. Vous voyez que c'est Nganga, c'est marabout. Mais là-bas, dans les bandes, on a une super héroïne. Ok. Bon, on a le rôle Iron Man. Ok. Bon, on a le rôle Thor.
Okay. Devrait de choisir le posture d'un marabout, d'un féticheur. C'est parce que de faire montrer aux gens que les gens pensent que de marabout ou de féticheur n'ont pas une vie après leur travail, en fait. Les gens pensent que les marabouts sont des gens qui sont un peu trop méchants, qui font tout le temps du mal aux gens. Très bien. Mais ils oublient qu'il y a un moment, un féticheur à cause de la famille, un féticheur à cause de l'IAP Madesu. On ose défendre la sorcellerie. Non, je ne défends pas. Tu vois le comportement caché ou masqué d'un féticheur. Maintenant, moi, je le dévoile. Très bien. Ce qu'on en comédie. Tu vois, imagine que tu as vu qu'il y a un féticheur, il ne s'entend pas avec des pasteurs, des églises, tout comme ça. Très bien. Mais un féticheur dimanche qui part à l'église. C'est un peu, tu vois, c'est un peu extra. Très bien. Et à un moment, tu vois, un féticheur, ce gars, il est au moins bang, ça, il dit Jésus. Vraiment. Tu vois. Ce qui ne se fait pas d'ailleurs. C'est un tournant. Comment un féticheur peut dire Jésus? Très bien. Tu vois. Ok. Donc, je dévoile juste le comportement caché, ou soit tu vas comprendre, en côté, moi je le fais, mais en comédie. Un féticheur qui lit la Bible, un féticheur qui donne de conseils aux gens, s'il vient te consulter, il te dit non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Okay. Parce que Dieu, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, mais en comédie. Et dérange à quoi tu es personnellement? Quand tu as la parole, les a ébellés, quoi incarné, mais tu t'es dit, on s'est incarné, on a eu une sorcellerie. Non, ce qui est dérangé, c'est que dans le salon, on a un mabé. Très bien. Sauf ce qu'on en salon, on a un ah, bien. Puisque il y a toujours une leçon à tirer après. Voilà. Je donne des leçons à chaque de mes contenus. Mm-hmm. Je donne des leçons. Et puis, je suis le marabout le plus aimé par le chrétien. Oh là là. Quelle grâce. Oh là là. Bandino le quoi, et qui le marabout le plus aimé par le chrétien. Les marabouts. Et puis, on m'a surnommé marabout chrétien. Marabout chrétien. Le nganga national est devenu international. Sick. Sick. Alors, messieurs et dames, vous qui me suivez de partout, comme vous les comprenez, on est avec Sick. Hein, en tout cas, votre artiste art moral. Et tout au long de cette émission, je pense, restez là vraiment, parce qu'il y a à boire et à manger tout au long de cette émission. Ça, vous le savez que quand je vous promets quelque chose, j'arrive quand même à le réaliser. Alors, ça s'est passé comment lorsque. Parce qu'il y a eu pas mal de gens, peut-être, va comprendre qui ont été au départ. Ma réaction d'abord, Isaki, comment envers vous? Je commence d'abord par tes proches, ta famille, pourquoi pas, et tes amis. Non, je ne dirais pas mes proches, je dirais d'abord de ma famille. Très bien. Premièrement, de ma maman, Moujinga Odette, je la salue là où elle est. Donc, maman Moujinga Odette, comme on a commandé au Kikabo. Mais c'est une prophétesse. Vraiment? Oui, c'est une prophétesse. Ok. Avant, au début, quand je faisais ça, elle me disait, oh, quand tu as qui se relie, tu as moi qui l'a manqué, tu vois, les mamans. Et puis, il y a un moment. C'était avant, vraiment avant, je crois 2021, comme ça. Vu que chez eux, il y a été carrément Bilo Komoro, Baji et tout. Très bien. Des enfants, ce qu'on a dit, c'est que Bilo Komoro, j'étais là chez elle. Tu m'entends, ma côte, c'est vraiment Binganga. C'est quoi, Bana et tout comme ça. On peut faire des photos, parce que lui, elle était un peu surpris. Très bien. Surpris, il dit oh non, ce qu'on lui a dit, Babilamba, oh, il va avoir un bon gars, il est star. Vraiment. Et puis après, il me dit non, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Ok. Directement, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et puis, tu dis ah, Babilo, on s'en rend bien. Et il est là, tu es là, tu es pas chez moi. Très bien. Et puis, deux jours, trois jours, on a pris ça 50, on a pris ça 20, on a pris ça pamboling avec Kendel et Bosso. Wow. Voilà, voilà. A changé d'avis. Voilà, voilà. Mais justement, parce que maman déterré, il est là, et tout, à un moment donné, puis 30, 50, comme on a. On peut dire que dans l'humour. Vous vous retrouvez quand même, c'est normalement, rentable. Hein? Normalement, mais comment moi, je me levais comme ça le matin, je n'ai pas de casquette, ni de prendre le logo et le logo. Très bien. Au moins, on a un peu de temps. Vraiment. Alors, je pense que Bato Bazek n'a pas ça qu'on découvrir au moins du côté l'artiste. Ils ont au moins une idée de qui il s'agit réellement. Alors, cela nous permet quand même de parler vraiment de la raison de ta présence ici. Ouais. Un spectacle prévu ce 24 novembre. Ouais. Quelque part. Historique. Je dirais c'est le premier départ de ma carrière. Le premier départ de ta carrière. Voilà. Et puis, je dirais, je fais appel à tous mes sicrois et mes sicroises partout au monde. Très bien. Côte d'Ivoire. Je suis reconnu même qu'au Côte d'Ivoire, on me suit. Très bien. Brazzaville, ne parlons même pas. Matadi, Lubumbashi, partout et tout. Le 24 novembre, venez nombreux. Il y a quelqu'un depuis Cameroun. Elle s'appelle Tracy. Ok. Elle est camerounaise. Elle t'aime bien. Ah bon?
Elle m'a dit, j'aime bien ce qu'elle fait et la manière dont elle fait, en tout cas, c'est waouh. Elle s'appelle Tracy. Tracy. Je te salue, hein. À Lingala, on a un peu sur une botte. Elle comprend le Lingala? Pas trop, mais un peu, oui. Même la salutation, ça va. Faut venir tout le somme à Boké. À Boké Kouba. Tracy, je vais t'expliquer après l'émission. Je ne te fâche pas. Alors, si on peut continuer, le 24 novembre, pourquoi seulement cette date? De vrai, le 24 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Ah, ok. Ouais, oh, date, c'est bon, Bimakambo. Ouais, le 24 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Et après, je me suis dit, c'était déjà un truc que j'avais rêvé. Très bien. De faire un truc avec mes fans, genre allo public. Très bien. Parce que de faire seulement de contenu sur les réseaux, il y a un moment, ça va percer. Très bien. Et puis, il y a un moment aussi là. Mais spectacle, de faire allo public avec tes fans, de communiquer, c'est ça, carrière. N'écoute qu'à la historique, il y a mon ébattement à chaque fois. Okay. Maintenant, je choisis à limiter parce que je vis à limiter. Okay. J'ai trop traîné à limiter. Je suis en comédie, moi et Billy, je suis presque Billy à limiter. Je choisis d'abord limiter. La charte est bien ordonnée. Voilà, pour okay. Parce que nous avons un très bien. Bande Gounanga et Tchangwa, nous avons facilité, limité, cité nous. Tu vois, bah Tchangwa force. Très bien. Makambango, bah nous avons facilité tout ça. Et après, tout comme ce qu'on m'a étage. Donc c'est le premier de pas. Bah, bien sûr, bang, bah sale. Mais c'est sale, non, bang. Yango préféré, nayo. Non, dis-moi, n'est-ce pas ni non, bah. Bah, ça les a, bah, je suis ça. Ah, tu parles de showbuzz. De vrai showbuzz, et ça qui n'a pensé, non. Très bien. De faire un truc dans showbuzz. Mais avec le moyen que je, parce que j'ai loué la salle. Très bien. Bon, on a ok. Donc, promotion et tout, ils ont zéro sponsor, zéro producteur. Donc, c'est moi-même, le businessman. Pourquoi pas, Quand tu vas bien pour une salle, il y a 200 personnes. Non, salle, on est à 700 places. Ok. Ouais, 700 places. 700 places. Armoral. Ouais. Soyons sérieux. Osa vraiment. Tu penses vraiment être capable de remplir cette salle? Ah. Et. Ah. Pia! Papa! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoute, tout ça vraiment sérieux. Je vais vous dire un truc. Ouais. Échec. Ils ont raté qu'ils sont venus. Échec, ils ont raté qu'ils doutent. Très bien. Ce que tu as doute, échec total. Mais ce que tu as récite. Roubé, tu as fait échec, mais pas ils ont récite au long. Ah, au lobby bien. Tu comprends? Ok, au bêta échec. Mais pas dans les récits. On a le bébé. Mais je te dis, il y aura la foule. Et ceux qui ont eu l'état, ils allaient aux armes en place. Ok. Oh, à Tchemoutou, il y aura 4. Il y aura la foule. Dommage, Toko, 4 en moté. Non, je dis, il y aura la foule. Ah, je suis sûr à Messicois et Messicoises, il y aura la foule. Très bien. Ouais, la foule, la foule. Je suis connu quand même. Alors, du côté vente de billets, ça s'est fait comment déjà? Est-ce que ça, ça se comporte très bien? Ouais, c'est bon. Je crois déjà que c'est bon. Nazalina, nous n'a. Sur 100%, nous avons 60% de billets. Très bien. C'était quand même déjà bien. Il y a des ventes à Lini, voilà, il y a nos points de vente qui sont partout, sur okay. Matete, sur Victoire, Gombe, référence de Tchak Chobeuse, et puis Njili. Mais vous n'avez pas pensé à la commune de Ngaliem, hein? Il y a des gens de ces côtés-là parfois, Bazotou, Napé. Ngaliem a beaucoup ça, la Victoire, beaucoup ça, la Gombe. Ok. Oui. Très bien. Galer ma victoire Gombe. Mais ça se comporte bien. Oban a été sur ce côté. Non. Papa, tu es bien m'amené, il est quand même beaucoup mieux coloré. Non, d'être là, on a bangé les nains. Ok. Sucre. Alors, je pense que ces jours-là, tu seras au rendez-vous avec pas mal de gens. Ouais. Il y aura vraiment du foule comme tu viens de le dire. Ouais. Mais moi, mon problème, c'est que bah, toi, on s'est déplacé de partout. Oui. Bon, il y a Kota, la sucre. Oui. Nini, oh, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on s'attendrait, non, vraiment, il y a bien. Il y aura trop de surprises, en fait. OK. Trop de surprises. Et il y aura la comédie sucrée. La comédie sucrée. Très sucrée. Soirée sucrée. Oui, c'est soirée sucrée, une comédie très sucrée. Quand dévoiler bisous à moins de 3 invités. Non, pas des invités. Je vous dévoile un truc que je vais présenter ma fiancée. Oulolo, parce que moi, je suis un peu curieux de savoir.
fiancée de ces sorcières. Non, non, non. Oh non, mais sérieux. Oh. Donc, et ce qui est vrai, t'as soufflé bougie il y a anniversaire. Ça, ouais. En même temps, t'as découvert. Mais bah, t'es na bingé nani. Pour qu'auto déjà t'as eu bingé qui n'a pas son rang national. C'est quoi, moi, ciné? Au problème de vos amis. Maman, là où t'es, en tout cas, coucou à toi. T'as eu là. Oui, oui. Alors, toujours évoluer, Nabiso, puisque Routi d'Ako expliquait Bissot qu'il y aura pas mal de surprises. Je pense que Bafan, Sika Bazali va comprendre déjà. Et tous à la wana. Moi, personnellement, déjà, n'a assuré que bienvenue. Je serai là. Bienvenue. Et il y aura pas mal de gens aussi qui seront là. Alors, par rapport à tes réalisations, est-ce qu'aujourd'hui, surtout qui quoi évaluer? Par rapport à tout ce que tu as gagné, par rapport à tout ce que tu vis, on peut dire que on gagne déjà combien de pourcents? Côté finance, côté notoriété. Parlons beaucoup plus d'abord côté notoriété. Côté notoriété, oui. J'ai gagné pas mal de gens, pas mal de fans. Très bien. Ouais, je ne suis pas encore méga star ou superstar. Je suis encore, je peux dire, vedette. Très bien. Mais un peu connu partout, premièrement dans mon pays. Okay. Donc je dirais sur 100%, j'ai gagné au moins 70% de public. Très bien. Ouais, depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Parce que je fais bien mon boulot et je suis très sûr de ce que je fais. Très bien. Et je suis encore très sûr de ce que Dieu m'a donné. Mm-hmm. Donc pas seulement pour l'imiter. Demain, ça sera showbiz, comme tu viens de dire. Uh-huh. Le lendemain, ça sera encore, pourquoi pas... Pourquoi pas au centre financier. Ah, ok, ça c'est bien. Uh-huh. Comme tout le monde qui... Ndekona Bissopé, Herman Amissi. Herman, Dadi, félicitations. Dadi, pas sous l'yango pénin sans problème. Félicitations. Il est qui n'a mon bien. Uh-huh. Voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de continuer toujours à nous suivre. Et comme vous le savez, très bien. Il s'agit comme ça d'Ismaël Outonadio pour ceux-là qui nous ont rejoignés tout de suite même. Nous sommes l'essence culturelle sur l'Afro Diaspo Média International. Et nous continuons pas mal notre histoire. Et comme vous le savez très bien, je récite pas n'importe qui, comme je vous ai dit au début de cette émission. Alors je profite déjà pour cette occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à une dame depuis quelque part. Il s'agit comme ça de Madame Viviane Kabbalah. Viviane Kabbalah, joyeux anniversaire à toi. Et vous savez, je vais dire une chose à ceux-là qui nous suivent. Si je suis aujourd'hui devant vous, si vous me voyez, vous m'aimez, vous me portez dans votre cœur, vous appréciez ce que je fais, et je vous dis sérieusement, c'est grâce à cette dame qui m'a encadré, qui m'a orienté. En tout cas, je suis très reconnaissant envers vous, Tantine Viviane Kabbalah. Et je profite pour cette occasion, une fois de plus, de vous dire merci pour tout, mais beaucoup plus, joyeux anniversaire à vous et de bonnes choses. Alors, l'artiste, ouais. Nous continuons notre mission. Malembe, malembe. Art moral. Soto l'ongoli art moral. Non, n'a même pas bongoté. N'a même pas boué. Qui allait être art moral? Soukazaya qui peut être humoriste. Un docteur. En médecine, donc. Au Bandango déjà, après au Katinayo. Oui, j'ai fait la biochimie et après un moment, après mes études humanitaires, très bien. Je me suis dit d'aller à l'université pour Natanga. Mm-hmm. Vu que moi j'ai perdu mon père depuis quand j'étais tout petit. Voilà. Voilà. Donc je restais seulement avec ma maman, elle n'avait pas vraiment pas mal de moyens. Très bien. Pour que j'étudie et je continue mes études directement, je dis à ma maman non. Garde mon foufouana. Ok. Donc laisse-moi me battre avec ce que j'ai comme talent. Très bien. Et puis je sais avec des recherches comment parler, comment faire ceci, cela. Je vais m'en sortir. Et puis voilà aujourd'hui. Ça t'arrive parfois de regretter la vie que tu as toujours voulu avoir, genre être docteur. Regretter un mot? Non. De vrai, je rêvais toujours d'être un humoriste connu. Très bien. Qui fait des trucs bien de comédie. Mais vu que dans notre pays, tu vois, de choisir un peu le côté artistique, les gens trouvent que c'est un peu... je dirais quoi? C'est un peu... genre sous-estimé. Très bien. Donc, on te trouve une personne genre...
moins de niveau, tu vois. C'est ça. Mais voilà, aujourd'hui, avec le 21e siècle, de comprendre que M. Soubartiste au bazar a pas mal d'audience, que M. Soubato, au bazar, tanga, bazar, cravate, bani, le monde en tana, cravate, à tanga, ma police, c'est même pas comment répondre le jour. Même sous coute, ma veste, comme même escroc, on a épsor. Hé, non, coute, dans le lobby. Est-ce que dans le lobby, coute? Alors, artiste, tu as évolué. Lélo, dans l'humour, dans la comédie et tout, parce que vous êtes toujours dans le côté, mon con. Ce qui écoute la comédie d'avant et celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence ou encore il y a des avantages que vous avez plutôt aujourd'hui qu'avant, peut-être ils avaient quitté? Ouais, normalement. La comédie avant, ils avaient qui trône à 12. Et puis trône à 12, ça veut dire 12 arts, caté quoi. Caté, donc au final quoi. Magnéminine, comme on dit. Donc. Il a un truc. Ok. Ok. Tu vois, avant, c'était vraiment au top. Parce qu'au comédie, avant, ils allaient juste pour y aller, il faut faire un moto. Ah, très bien. Ouais. Genre pour y aller, il faut faire un moto, un loco à moto. Mais aujourd'hui, avec TikTok, avec Instagram, avec Facebook, moto, toi, comme dernière facilité, on crée quand on a exploité, ou il y a un PC, sans pourtant les capables. Les capables, tu sais, on m'a bêté. Très bien. Mais avant, c'était vraiment que. Mais tu as vraiment la possibilité, il y a qu'à s'exposer, au y a et tout. Donc avant, on a qu'à les lourds, on a vu qu'on pas à battre, on a un peu de zèle, on a il faut quand même, on a bibou, on a zélatant, on a eu ça, tu vois. Mais avec Yomoko, on a l'ingé dans sa lourde, tu le fais. On a l'ingé dans sa spectacle, tu le fais. On a l'ingé dans sa contenu, tu le fais. Mais apparemment aujourd'hui vous êtes tellement nombreux, hein. Ouais ouais. Parfois pour ça, bichon embarras. Tous en nombre. Tous en nombre bien sûr, mais tous en belé. Ok. Tous en belé, on a ce qu'il faut choisir. Faut au moins nanana, on salaire bien, nanana, salaire mabé, que le babouze belé, le bitre trop mine d'engue mon corps. Très bien. Non, que ça niveau par niveau. Très bien. Maintenant, on a salaire comédie, bongi na niveau, na obo, bongi na cerveau naé. Malgré tout. Yo mon dos, mais mon angolais qui nani. Na l'équipe art moral. Ok. Ouais. Na l'équipe art moral. Parce que art moral de Zomona. Parce que Moutala, la Nabouta a créé idée pour ça la deuxième vidéo où les gars ont eu ce pélagi de l'eau. Ils ont rangé. Très bien. C'est rien à l'équipe art moral. Zambé Simbangaï. Il est très sage, hein. Simbangaï. Il est très sage. Simbangaï. Alors, quelles sont tes relations avec d'autres artistes? Non, je parle bien avec tout le monde. Ok. Tout le monde, personne. Tout le monde, je parle bien avec tout le monde. Ngai, babilo kaba, utsin mika chaka. Yom tonga bundaju, monsu subuto en plein sonana nyo. Avec qui? Ok. Ah bien. Ok, ok. Avec Jiska. Non, je vais vous dévoiler aujourd'hui. Avec Jiska. On n'a pas encore eu le temps. Afin d'aller à la quitte, c'est à l'offre. Ok, avec, Jiska, avec bébé Jiska, je te salue mon frère. Ok. Avec bébé Jiska, on n'a pas eu le temps de collaborer un truc avec lui. Ok. Depuis Nabanda, depuis Yepa Banda. Depuis Togu, Yebana, depuis Yepa Yebana. Donc, il y avait un moment où il y a une prestation, moi, au bruit. Aïe, c'est un gars, tout ça, bon, moi, je suis tombé. Public, tombé, réseau. Ok. Tu vas tout le monde. You know, bête, you know, c'est un tu vois. Tu postes pour nous attirer, un sousou. Il y a des fans ou des gens qui ont mais est-ce que vous voyez que vous attirez une idée à des fans, certes, voilà, mais dans le mauvais sens. Hein, voilà, tu comprends ce que les fans ne sont pas en yoga pour rien. Et puis c'est normal les opinions. Très bien. Tu comprends ce que les ministres ont attendu à la bêtise. Tu as dit que tu as un talanano. Très bien. Tu comprends que comme il y avait des commentaires négatifs pour moi. On t'a pas connu dans ça. Tu es quelqu'un qui tu ne parlais pas sur les réseaux. Pourquoi tu t'es abattu? Très bien. Je me suis dit, l'expérience présentée. Tu n'auras pas fait que ça que buzz, mais. Très bien. Bon, c'était juste pour le buzz, c'était rien. Ok. Voilà. Ça, c'est bien. En tout cas, ce que j'ai aimé depuis le début de cette émission, c'est ton côté franc, en fait. Je veux vraiment Zali Bissou, moi, Pembe. Ouais. On l'aime, Pandine. Mais on a un kino de un amour à Tchamoun, de deux amours à Njili Massina. Très bien. Donc, je suis un peu plus kuluna. Je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu plus grand.
très bien. Surtout nous sommes à Batou, Tchadi. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de rester là. C'était comme ça, l'artiste Art Moral Sucre, comme vous le savez très bien. Je pense que Tozo Kindé, petit à petit, déjà vers la fin de cette émission. L'artiste, aujourd'hui, là, je l'ai dit sincèrement. Oui. T'es aujourd'hui Moko Yabartiste Oyo. Bon, ça l'a fait fierté à Imour, na Congo. Merci. Et un leader d'opinion, pourquoi pas. Merci. Il y a, je dirais, il y a des gens au pays baso, c'est-à-dire baso motivé bango na kopango et tout. Normalement. Il y a ceux-là peut-être qui veulent aussi suivre votre chemin. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire qu'ils sont un peu un mental d'acier. Très bien. Mental d'acier, il y a trop de stress, il y a trop de découragement, il y a trop de yoka yoka en fait, de les on dit. Donc, moral n'a pas toujours faut qui ça c'est que tu fais. Très bien. Même si bah, sur moral côté relation amoureuse ou côté ami ou côté famille, frère, ne calcule pas tout ça. Tu dois avancer. L'objectif est d'aller, que tu aies la minène, que tu gagnes une notoriété, que tu payes au yoyo ligné pour que tu construis une culture et matin. Donc, ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 que tu vas rien faire. Très bien. Être juste un mental d'acier. Très bien. Ça, c'est bien. Je pense que le message est passé. Mm-hmm. Ils ont au moins une idée. Mais quelque part. On est quoi bon béli bango? Oui, au fond on béli bango, t'es que moi nous avons pesé dans la bonne des cas là. J'ai la bonne ni. Qui c'est quoi? Oh ça la canne. Qu'est-ce qui se travaille? Imagine la salle à qui c'est mais dans la vidéo là nous bah manzambe. Toi tu trouves que va rouber ton attend deuxième mois. Tu trouves pas? Imagine ce qu'on a dans ces mondes où boule voilà. Et dans la vidéo là quand Jésus. Eh Seigneur, au tchenga ni n'zapé là. Bah rouber ton attend. Maman pardon. Oui, oui. Et là, on s'est fait ici, c'est quoi? Kim Yango vient. Tu vois, Kiss Danga, Kiss Nabi, c'est le travail, prière, alors, que vous allez serrer. Alors, c'est là qu'ils nous suivent, les jeunes humoristes débutants. Bah, tout, bien sûr, vous en avez pour suivre le chemin à Bandeko. Parce que vous allez servir déjà comme exemple, ça, il faut les dire. Je pense que Boyo qui conseille. Il y a Ndeko Nabino, il y a Ene Nabino. Ene, hein? Ene, il y a Banda. Il y a Oh, Bazo n'y a pas Banda. Ah, ok, Oh, Bazo n'y a pas Banda. Très bien. Ok. Comme ça, Oh, t'es. C'est bon. Ok. Bon, Ozo, qui m'a vraiment polémique? L'eau, on a CP, non, ma casse. Bien que. Tout qui est pina, mais c'est bon. Alors, l'artiste, on est presque à la fin de cette émission. Oui. J'aimerais mieux que tu regardes ta caméra et puis tu parles avec ton public. Je pense qu'il y a un grand rendez-vous. C'est ton premier show, hein? Ouais. Non, je ne dirais pas mon premier. Un premier grand show, je dirais. Non. Non? Non. Non? Non. Au bêta de Anabassa, la minéne, monsieur. Je fais ma tadi en 2023. T'es Nakisha, ça, Ava? Nakine, première fois. Première, hein? Ouais. Alors, je pense que vous avez un message, mon kobo est fort. Ou peut-être qu'il faut capter aussi, d'une autre manière, tes fans. Ou encore motiver ceux-là, ou peut-être non, bah, son biba biété. Ta caméra est là, tu peux leur dire quelque chose. Donc, mes fans, mes s'y croient et mes s'y croisent, je vais vous dire un truc. D'être sur scène pour moi, je dirais, ah, les mots m'échappent. Les mots n'échappent pas, hein? Jean. Comprenez mon émotion. Je comprends ton émotion. Je dirais, être sur scène, ça me fait vivre. J'aime donner les sourires aux gens. C'est un moment marquant dans ma carrière. Alors, venez nombreux. N'attendez pas à la veille pour acheter les billets. Les billets sont disponibles partout. Venez vivre une comédie très sucrée dans la soirée sucrée. Bienvenue à tous. C'est cool. Bienvenue à tous, à toute personne qui veulent bien passer des très bons moments ensemble avec l'artiste, messieurs et dames, vous qui êtes à Kinshasa et partout dans le monde. D'ailleurs, non, bien en tout cas à Kinipo, ce qu'à Kin en cas, bah y'a qu'à ta un cas, mais c'est pas ces heures. Brazzaville, autre ça, bangoué. Brazzaville. Bon, écoute, on a signé Showbiz Boy, t'es carrément. Donc, vous tous, bienvenue en vraiment, oh, voilà, pour ça, vous soutenir l'artiste, venez ces jours-là, venez soutenir votre artiste. Et ça, là, vraiment bien, juste une question de ramener notre culture plus haut, en tout cas, soutenez nos artistes. Ben, moi,
je vous confirme déjà ma présence et pourquoi pas toi. Donc soyons là vraiment, t'as la toi, ma problème est bêler les quinois. Oui, à tout dégager, non. Hein, tout dégager, non, c'est important, c'est tout important. Ça, c'est important. Vraiment. Toi, na maintenant, ça y est. Balthazar, dans Bouya, Boulong, la bise. Dernièrement, papa, mon coin, Niatinga, ah, on a dit, papa, on a dit, gang, il a la façon. Moi, je n'ai rien dit, j'ai compris directement, j'ai compris. D'accord, papa, c'est bon. C'est bon. Nous avons pas mal de problèmes, donc venez, on va rire, on va se déchaîner un peu, hein. C'est imagine, important. Je vais dire un truc. Mm-hmm. Imagine, dans cette émission, mm-hmm. où Yambi Fali Ipupa pose lui des questions. Ah, tout justement. Nayambi Fali Ipupa. Fali Ipupa, bonsoir. Mais, il faut mourir comme ça, il faut pour pas. Ces derniers temps, autant à sous combat, bah tout est, aux occupés sous tes baffins, aux occupés tes, aux lobatés. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, moni, bah. C'est-à-dire, moni, bisou. C'est-à-dire, moni, na bandal. C'est-à-dire, ma camoua batou, c'est-à-dire, kakipat. C'est-à-dire, bisou, et tali bisou, c'est-à-dire, les 24. Bah, c'est quoi? C'est-à-dire, toi, tout que ça y a là. Et puis, quelqu'un a encore proposé yo imiter. On a imité ce qui. Ça dit, vas-y, frère, vas-y. Eh. Vas-y, frère. Au signé. Ouais, vas-y. Mouyombe gauche. Nazuyonde A. Nazuyonde A. Posé. Papa Mouyombe gauche. Donc, est-ce que vous avez vraiment un dos qui n'est pas solo? Ou bien, ils auront un dos qui est là. Je ne sais plus pourquoi il y a trop de dos qui n'est pas serré. Papa! Au moins, je suis là. 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 Je suis. Merci beaucoup l'artiste, ça s'applaudit en tout cas. Oh non, je ne savais pas, sincèrement, je ne savais pas que vous avez autant de potentiel, autant de talent comme ça. Je vais imiter beaucoup de gens. Okay. Le jour de mon spectacle. Très bien. Le Lopez Bissou comme un scoop. Hein? Ouais, moi, deux personnes m'ont reboué. Et puis, ce jour-là, en tout cas. Ouais, beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup. Oh là là. En tout cas, so Zang, il sait que Yozang a un canagnon. Nous serons là. Alors, artiste, puisqu'on est à la fin de cette émission, peut-être quelques gens en dédicacé vite fait. Normalement, pourquoi pas. Je salue mon coordonnateur, Cordo Dan Le Génie. Je salue le big manager, Moses Gamessa, là où tu es. Je salue ma maman. Odette Mujinga, je salue mon ami, mon bro, Mpotumeya Lom, dort avec sa nouvelle chanson Ndombolo. Ogobetanga yuna lopango kazina bala bala jamais. Togobetana sogo chitembe. Nako betayo. Donc je salue Gaspard Mokondi Mwanza, je salue Neskachua, je salue toute la famille Banatu Yazwanga, je salue Général Inyama, Djogo Kita, toute la famille, je salue Dalton Dekin, je crois. La monnaie vous a accompagné au Tangi Komona. Mokondi Mwanza. Ok. Mokondi Kangaba Motikabso. Ok. Ça c'est bien. Alors je pense qu'on est presque à la fin des dédicaces. Hein? Ouais, ouais. Merci beaucoup, messieurs et dames, à vous qui nous suivez jusqu'à la fin. Nous vous disons un grand merci quand vous les savez très bien. C'était pour moi un réel plaisir de recevoir un grand artiste de notre pays. Je pense que tout au long de cette émission, quand vous le savez très bien, l'essence culturelle contient deux parties. Et bien ça, c'était juste une première partie. Nous voici maintenant à la seconde partie parce qu'aujourd'hui, j'aurai pour vous deux différentes parties tout au long de cette émission L'essence culturelle. Juste une question, comme vous avez vu des affiches, plus de 4, mais malheureusement, il y a eu la pluie. On a compris, c'est pour cela, certaines personnes ne s'y sont pas présentées avant. Comme vous le savez très bien, nous serons là à la prochaine, mais restez là branchés. Et comme vous le savez très bien, L'essence culturelle, il y a toujours à boire et à manger. Et c'était comme ça, art moral. Et il y a pas mal un artiste qui nous attend juste après ça.